Bienvenue sur l'émission du Petit Ballon. Nous sommes avec Jean-Michel pour déguster le vin Hermès, non un peu. Oui, c'est un vin Hermès côté Faubourg. Bonjour à tous. Oui, on a dit on va se donner un côté chic. C'est mais vrai. Bon, on l'avait naturellement, mais on a rajouté une couche. Voilà. Et effectivement, la cuvée s'appelle côté Faubourg, c'est pas pour rien. C'est presque plus qu'une cuvée, c'est un concept. C'est-à-dire qu'on prend les meilleurs raisins et on se dit, on va faire un bel assemblage. Et on va faire un vin qui va plaire, qui va séduire. D'accord. Eh bien, ça a marché puisque ça nous a séduit. Et je trouvais que le concept était superbe. Donc, c'est quoi l'idée? Alors, nous sommes sur un vin de pays, IGP Méditerranée. Hein, d'accord. Donc, on est sur un vin Méditerranée avec du Grenache, de la Syrah, du Mourvèdre. Donc, cépage de la vallée du Rhône, évidemment. Mais une petite pointe de Merlot qui va apporter un côté juteux, un peu rond au vin. Voilà. D'accord. Donc, c'est original, c'est un 2012. Et c'est donc fait par les vignerons de caractère. Alors, vignerons de caractère que nous avons eu l'occasion de déguster, c'est 80 familles. C'est quoi? C'est un regroupement de vignerons? C'est un regroupement de vignerons, c'est pas une coopérative, c'est un regroupement de vignerons. Et ils sont assez intelligents pour savoir que quand quelque chose, une vigne donne du très beau résultat, ben on la fait à part, on fait une cuvée, on fait une cuvée où on met en avant un domaine, etc. Et donc là, on est sur des terroirs caillouteux où la vigne souffre, souffre et donne le résultat. Et puis, on est encore au mois d'août, c'est un peu encore l'époque des barbecues, des repas à l'extérieur. Donc, on voulait un vin de copains, un vin d'amis, un vin de famille. Et je pense qu'avec ce côté faubourg, on l'a trouvé. On l'a trouvé, famille chic. Très très chic. Donc ben robe rubis. J'ai déjà senti là. Rubis un peu dégradé, assez tendre. Bon, il y a beaucoup de grenache, ça donne beaucoup de fruits mais peu de couleur le grenache. Par contre, la syrah, le merlot et le mourvèdre donnent de la couleur. C'est couleur très rhône, non? Oui, c'est assez fondu. Moi, je trouve comme couleur un début d'évolution. Ouais. Au nez, ça sent bon. Fruits noirs. Ça, alors, on a le fruit très mûr, hein, ça c'est un petit peu le merlot et le grenache, mais on a aussi beaucoup de fraîcheur, syrah et un côté un peu épicé, mourvèdre. Donc, d'accord, on peut pratiquement retrouver ces cépages dans le nez. Belle complexité, un peu gourmand, réglissé, ça sent un petit peu les garrigues. Ouais, on est quand même en Méditerranée. Ouais. Hein. Ah, sans moi. Assez fin, assez riche et fin à la fin. Ouais. En bouche? Voilà, du fruité, hyper bon, gourmand, mais derrière, tu vois, tu as un petit caractère poivré, ça c'est le Mourvèdre qui nous parle, et le côté réglissé un peu frais de la Syrah. Donc, un très bel équilibre, je trouve que c'est très, très, très bien fait, ça nous a séduit. Moi, je recommande de le servir légèrement frais, 15-16 degrés, ne pas hésiter. Alors, attention, servi frais, ça va se boire dangereusement. Hein. Ah ouais? Oui, ça serait un peu facile. C'est hyper bon. Donc là, on le boit à température ambiante, c'est quand même très très facile à boire. Voilà, donc imagine 15-16 degrés, parfait. Grillade, cuisine d'extérieur, viande froide, viande blanche, côte de bœuf, des travers de porc. Vraiment, barbecue, cuisine quoi. Facile, cuisine de copains, de famille. Mais il a assez de caractère pour aller peut-être sur des petits gibiers cet hiver. Voilà. Hyper bon. Mmh. Alors, juste, moi, j'ai pas bien compris. Les vins, les raisins, ils viennent de différents vignerons. On a pris chez ces 80 familles les meilleurs raisins, le meilleur grenache de monsieur Untel, le meilleur syrah de monsieur Untel, etc. D'accord. Et puis, il y a le chef d'orchestre des vignerons de caractère qui déguste et qui dit, tiens, ça irait bien avec ça. D'accord. Et qui fait les mélanges. Et à chaque fois, ils tombent juste. Chaque fois qu'on a dégusté des vins chez eux, ils sont très, très forts. C'est sympa. Très, très forts. Et puis, j'aime bien ce côté à la fois traditionnel par rapport au cépage, par rapport au terroir, mais également une certaine modernité dans la consommation. D'accord. C'est des vins, voilà, on ne va pas les attendre 10 ans, ça ne sert à rien. Ouais, on va se faire plaisir tout de suite. Voilà, vigneron de caractère, côté Faubourg. Délicieux. 2012. Très chic, magnifique. Assorti à Jean-Michel, une pure merveille. Merci pour cette belle découverte. Bonne dégustation. Et bonne dégustation à tous. Et comme je dis, n'allez pas déguster sur le faubourg, pas besoin. C'est